Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux pour cette conférence mensuelle de la FMES que nous organisons en coopération avec l'Université de Toulon, que je remercie chaleureusement pour son partenariat et la possibilité que l'Université nous offre et son président nous offre de profiter de ce bel amphithéâtre pour vous recevoir tous. Le thème d'aujourd'hui est une guerre. Vous savez, quasiment, on en parle tous les mois dans nos conférences. Nous sommes dans une région où les guerres s'accumulent et nous sommes dans une période où les guerres s'accumulent. Chacune plus destructrice et attristante que l'autre, que la précédente. Mais c'est la période qui veut ça. Il faut l'accepter. Enfin, il faut accepter. Il faut reprendre conscience et avoir la lucidité de comprendre que le monde dans lequel on est n'est pas le monde que nous attendions il y a quelques années encore. Voilà. Et que cette tendance, malheureusement, en tout cas c'est mon sentiment, n'est pas prête de s'inverser dans les années et peut-être les décennies qui viennent. Ce conflit entre le Hamas et la Palestine, et entre le Hamas, pardon, et Israël, est un conflit particulièrement sensible, qui nous touche particulièrement. Et je ne vous cache pas qu'avec Pierre Razou, on a réfléchi avant d'organiser cette conférence. On avait eu une conférence sur l'Algérie qui avait aussi fait l'objet de débats. Et pourquoi ce thème est particulièrement sensible dans notre pays? Parce qu'il touche la société française par de multiples voies et que il. Un, deux, voilà. Et que la passion inéluctable dans les guerres pour ceux qui la pratiquent se transmet à distance chez ceux qui la regardent. Et les émotions, l'être humain est un être d'émotions. C'est normal qu'il y ait des émotions. C'est normal que ces émotions se matérialisent. Elles ne doivent pas, à mon avis, en tout cas c'est le rôle d'un think tank et de notre think tank, elles ne doivent pas empêcher la réflexion. Ça ne veut pas dire que l'émotion est mauvaise. L'émotion est souvent très bonne, mais elle peut être aussi perturbatrice dans la réflexion. Donc nous, on est là en tant que think tank pour la réflexion dans ces sujets particulièrement sensibles, particulièrement douloureux. Et donc, ce soir, Pierre Razou va vous donner l'analyse que faisons et qu'il fait sur ce conflit, en y mettant le maximum de rationalité. Et donc, je vous demande, vous l'avez compris, je vous demande d'être dans cet esprit, c'est-à-dire l'esprit du débat, l'esprit de la réflexion. Ce qui n'empêche pas que chacun peut avoir son ressenti et son émotion, qu'elle est légitime. Mais bon, on n'est pas là pour parler d'émotion, parce que là, sinon, on s'en sortira pas. Voilà, je voulais le dire en introduction, parce que je pense que c'est important de pouvoir parler des choses qui fâchent sans se fâcher. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas motif à se fâcher. Ça veut dire que ce n'est pas le lieu pour se fâcher. Voilà. Et on l'a fait avec beaucoup de succès pendant les rencontres stratégiques de la Méditerranée. Il y a quelques semaines, ici à Toulon, il y avait 2600 personnes et ça a très bien marché. Ce qui prouve que nous sommes tous capables de mettre de la rationalité quand c'est nécessaire et notre émotion pour les moments où c'est également utile et nécessaire. Et bon, pour parler de ce débat, Pierre Razou, directeur académique de la FMES, spécialiste du Moyen-Orient, spécialiste de l'Iran, spécialiste expert également d'Israël. Il a écrit un livre qui fait référence sur Tzahal. On a un micro de secours si ça ne marche pas tout à l'heure. Ça fait 35 ans qu'il est sur ces sujets. Il enseigne à Sciences Po, il enseigne à HEC, il enseigne au Collège de défense de l'OTAN et dans d'autres institutions. Et il y a donc deux livres, le livre sur Tzahal, qui est d'actualité, et un livre que je vous recommande sur la guerre Iran-Irak, qui est particulièrement éclairant sur cette guerre, une autre guerre qui a marqué sa période et cette région. Voilà, je passe la parole à Pierre. Merci. Merci Pascal. Alors, bon, on va commencer tout de suite. Je vais essayer de parler 40-45 minutes pour laisser plein de temps pour questions-réponses,
parce que je pense que vous êtes aussi venu pour ça. Pour ceux qui ne seraient pas totalement familiers du théâtre des opérations, voilà Israël. Au passage, la photo et la carte va vous surprendre. Pourquoi ? Parce que je l'ai mis dans le sens de la longueur au lieu de la hauteur. Quand on fait de la géopolitique, de la stratégie, tout ce qu'on veut, il faut regarder les cartes dans tous les sens. Donc, ceux qui me connaissent savent que, par exemple, j'ai des cartes du Moyen-Orient inversées, j'ai une carte de la Méditerranée verticale, etc. Bon, là, j'ai mis Israël et ses voisins en horizontal. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est comme ça, par exemple, que les Jordaniens voient aujourd'hui le théâtre des opérations. Accessoirement aussi, parce que c'était plus facile de vous montrer sur un agrandissement ce qui se passe. Donc, là où ça se passe en ce moment, c'est la bande de Gaza en rouge ici. Vous voyez que c'est finalement une toute petite partie d'Israël et des territoires de l'autorité palestinienne. Le gros de l'autorité palestinienne, en fait, il est ici dans ce qu'on appelle la Cisjordanie, ce que les Anglo-Saxons et les Israéliens appellent le West Bank. Vous avez ici le nord d'Israël aussi. Vous avez ici le plateau du Golan. J'ai représenté, là vous avez bien sûr l'Égypte, la péninsule du Sinaï, on le voit ici au niveau macro sur le Moyen-Orient. Et donc vous voyez qu'un des acteurs directement impliqués dans ce qui se passe dans la bande de Gaza, ici c'est l'Égypte. Pourquoi ? Parce que c'est le gros pays voisin et qui sait qu'il peut être déstabilisé par cette guerre. Donc les opérations, tout ce dont vous entendez, vous voyez à la télévision, dans les radios, sur les chaînes internet, etc. Enfin, tout ça, ça se passe globalement pour le moment ici. Là, vous avez 3 divisions israéliennes mobilisées, ce que je vous ai représenté. Et la question, c'est évidemment, est-ce que ça peut s'étendre au reste d'Israël et des territoires palestiniens, voire à l'ensemble de la région ? On en parlera tout à l'heure. Donc là, vous avez le symbole du Hamas, ici sur Gaza, ici également Cisjordanie. Là, vous avez le drapeau du Hezbollah qui est extrêmement présent et retranché sur le sud du Liban. Le plateau du Golan qui est annexé mais qui appartient à la Syrie et donc qui est ici. Et donc, pour le moment, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des risques d'extension ? Pour le moment, pas avec les acteurs extérieurs. Je vous expliquerai pourquoi. Donc clairement pas avec le Hezbollah, pas avec l'Iran, même s'il y a des petits affrontements, des escarmouches le long de la frontière. On va dire que pour le moment, le Hezbollah fait le service minimum. Et toutes les actions du Hezbollah et de l'Iran, ou des milices chiites basées au Liban et en Syrie, sont extrêmement calibrées. Et carrément, si vous voulez, une règle du jeu avec chacun connaît les lignes rouges de l'autre et personne ne les dépasse. Donc le but du Hezbollah pour le moment, et donc de l'Iran, c'est maintenir la pression. Surtout ne pas s'impliquer directement, massivement dans le conflit, mais maintenir la pression pour obliger Israël à maintenir 3 divisions mobilisées à la frontière nord ici. Pourquoi ? Parce que la mobilisation, ben, ça coûte cher, c'est impopulaire. Impopulaire en termes de, ben, au lieu d'être chez vous, au lieu d'être à votre travail ou dans votre famille, bah, vous êtes au front, mobilisé, dans votre unité, vous attendez que ça passe. Et pendant ce temps-là, vous ne travaillez pas, donc le PIB, d'abord vous, vous gagnez moins d'argent, le PIB du pays décline, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis aussi parce que, bien sûr, toutes les unités qui sont ailleurs, donc ici sur le front nord, et là, en Cisjordanie, pour essayer de maintenir et puis éviter qu'il y ait une troisième intifada qui éclate et qui embrase l'ensemble de la Cisjordanie, bah toutes les unités qui sont là, évidemment, elles ne sont pas ici. Donc c'est aussi pour, atténuer la pression militaire sur le Hezbollah. Quelques cartes pour vous rappeler juste brièvement ce qui s'est passé. Donc le 7 et le 8 octobre, c'était à 6h du matin.
Donc c'était le dernier jour de la fête religieuse de Sukkot et c'était un jour de sabbat, donc un samedi pour les Juifs et les Israéliens. Donc le Hamas a lancé une offensive terroriste massive. En fait, jusqu'à, on va dire, une vingtaine de kilomètres au-delà de la bande de sécurité. C'est ce que vous voyez dans les flèches noires. Et évidemment, dans tout l'ensemble de ces petits villages, de ces kibboutz et de ces petites villes que vous voyez ici. Sur environ 20 000 combattants qui étaient recensés ou crédités au Hamas, 3 000 ont participé à l'offensive. Donc bah là, ils ont commis les atrocités, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez suivi. Ils sont revenus dans la bande de Gaza avec environ 250 otages qui ont été éparpillés un petit peu partout. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc 3 000 sur 20 000, ça veut dire qu'à peu près 15% des effectifs combattants du Hamas ont participé à l'offensive. On estime, enfin les Israéliens estiment qu'ils en ont tué et éliminé à peu près entre 1200 et 1500. Les autres sont rentrés chez eux à Gaza avec leurs otages. Et bon, ça a lancé ce que vous connaissez et ce qui se passe depuis. Quels étaient les buts de guerre du Hamas ? Ma compréhension. Remettre le dossier israélo-palestinien, du conflit palestinien sur le devant de la scène internationale, alors qu'il était passé, si vous voulez, sur le dessus de la pile des dossiers, alors qu'il était passé en 10e, 11e, 12e position et que globalement, dans la région, tout le monde s'en fichait un petit peu. Et ils l'ont fait à un moment donné particulier, qui était dans le cadre des recompositions géopolitiques au Moyen-Orient, à un moment donné où l'Arabie saoudite a laissé entendre qu'elle était sur le point ou qu'elle pourrait normaliser ses relations avec Israël. Donc si, du point de vue palestinien, si Israël est du point de vue de ceux qui soutiennent les Palestiniens, notamment l'Iran, si l'Arabie saoudite normalise avec Israël, l'Arabie saoudite qui est gardienne des deux saintes mosquées de Médine et la Mecque, vous comprenez bien qu'ensuite tous les autres États arabes se disent « il ne faut pas être plus royaliste que le roi ». Si le gardien des deux saintes mosquées a normalisé avec Israël, pourquoi ne pas normaliser nous aussi et faire plein de business ? Donc, les Palestiniens, mais le Hamas en particulier, a compris que c'était probablement sa dernière chance, le moment où il fallait probablement agir et faire un choc et sidérer, un, les Israéliens, deux, la communauté internationale, trois, les autres Palestiniens eux-mêmes. Et la stratégie du Hamas, c'était donc briser cette normalisation qui était annoncée ou en cours entre l'Arabie saoudite et Israël. Ça, c'est clairement réussi. Faire diversion et obliger Israël à se concentrer de nouveau sur les problèmes entre guillemets intérieurs et sur les défis intérieurs de sécurité, donc la question palestinienne. Sous-entendu, arrêtez de nous parler de l'Iran, du reste. Non, concentrez-vous sur le vrai fond, le dossier palestinien. Et c'était sidérer et mettre une telle gifle aux Israéliens et au gouvernement israélien et à la société israélienne que le réflexe immédiat était celui de la vengeance et de l'application de la loi du talion. C'est-à-dire, plus jamais ça. Donc, humilier et frapper tellement durement par des atrocités, par les prises d'otages, etc., la population israélienne, que le premier réflexe, c'était de dire « vous allez vous en prendre plein les dents ». Et là aussi, ça a quelque part très bien marché, sachant que la stratégie, c'était faire le pari que Israël surréagirait, envahirait massivement la bande de Gaza et viendrait s'enliser dans un conflit urbain extrêmement coûteux, complexe à mener, que le Hamas pensait pouvoir gagner. Là, c'est probablement une erreur de stratégie et une erreur de calcul du Hamas, parce que pour le moment, le Hamas, quand on regarde tout ce qui est en train de se passer, le Hamas n'est pas en train de gagner la guerre urbaine dans la bande de Gaza, il est plutôt en train de la perdre doucement. Doucement, mais de manière extrêmement coûteuse. Face à cette situation, les Israéliens, l'armée israélienne a mis à peu près une semaine pour
pour reprendre le contrôle de toute cette zone-là qui avait été occupée par les terroristes du Hamas. Une semaine, au passage, pendant laquelle ils ont perdu à la louche à peu près 350 soldats. Donc 350 soldats face à à peu près 1500 éliminés. Donc si vous faites des études d'histoire militaire, vous vous dites que c'est un ratio quand même pas mal, mais ça veut dire aussi que les combats ont été extrêmement sanglants, violents, des deux côtés. Donc là, ça a été combat au corps à corps, nettoyage de villages des deux côtés, ainsi de suite. Au bout d'une semaine, pendant ce temps-là, l'état-major a réfléchi sur quoi faire. Donc 3 semaines de préparation sur la suite des opérations et en attendant de bombardements intensifs pour affaiblir le Hamas dans ses bases et essayer de leur rendre, entre guillemets, la monnaie de leurs pièces. Puis, le 27 octobre, donc, les Israéliens ont lancé une offensive, dans un premier temps relativement limitée dans la bande de Gaza, qui avait pour objectif en fait, de tronçonner, en fait, de couper, si vous voulez, la bande de Gaza en plusieurs segments. Un segment nord, un segment central et un gros segment sud. En arrivant à la mer, le principe c'était d'isoler littéralement la ville de Gaza City, ici, qui représente, dans lequel vivait à peu près la moitié de la population palestinienne de la bande de Gaza, et qui était un petit peu la forteresse et le cœur névralgique du système décisionnel et du système militaire du Hamas. Sans faire d'assimilation à l'histoire antique, etc., c'est un petit peu, si vous voulez, comme le siège au Moyen-Âge, le siège de la forteresse. En arrivant à la fois par la mer, par la côte, de tous les côtés, en fait, la forteresse était littéralement assiégée. Et ensuite, le but, c'était de prendre le contrôle, de grignoter la forteresse. C'est ce qui s'est fait pendant à peu près 3 semaines encore après. Quels étaient les objectifs des Israéliens? Un objectif stratégique, rétablir la posture dissuasive de l'armée israélienne et rétablir un rapport de force tel que les adversaires potentiels d'Israël comprennent que ceux qui, à l'avenir, agresseraient Israël devraient payer un prix extrêmement lourd. Cet objectif stratégique, je pense, a été atteint. C'est-à-dire, encore une fois, pendant toute cette conférence, je ne suis pas là pour vous donner des éléments de valeur, de jugement de valeur ou quoi. Je me comporte en analyste, en historien. Et j'essaye de vous décrypter, de vous donner les éléments de compréhension en me mettant à la place dans les deux camps, si vous voulez, des deux côtés, pour expliquer les stratégies des uns et des autres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, aucun des adversaires potentiel d'Israël se dit on peut jouer entre guillemets, on peut tester Israël. Là ils ont compris, Israël a sorti le très gros bâton et s'en sert massivement sans hésitation. Donc l'effet dissuasif je pense est en grande partie rétabli. Mais après il y avait deux objectifs opérationnels qui eux ne sont pas atteints. Le premier c'était clairement d'éliminer ou en tout cas de réduire et d'affaiblir au maximum la branche armée du Hamas, c'est-à-dire à la fois les cadres dirigeants, toute la logistique, l'infrastructure, les structures, le ravitaillement en eau, en munitions, en vivres, en essence, parce que l'essence ça fait marcher les générateurs qui vous donnent du courant, qui alimentent vos courants, qui alimentent vos communications, qui vous permettent de recharger vos téléphones portables cryptés par lesquels vous passez des ordres, etc., etc., et qui vous permettent de vous éclairer quand vous êtes terré dans les tunnels un peu partout. Donc, on n'a pas de chiffres. Ce qui est sûr, c'est que pendant cette première phase d'opération terrestre, et là vous la voyez donc décrite sur cette carte, avec donc le siège de Gaza City, les combats sur le fameux hôpital Al-Shifa qui est ici, sur le port de Gaza également,
Ce qui est sûr, c'est que le Hamas, la branche armée du Hamas a été sensiblement amoindrie, a pris des coups très rudes, mais n'a pas été éliminée. Et notamment pendant la trêve, un certain nombre de dirigeants qui ne s'étaient pas déjà mis à l'abri ici ou ailleurs, ont pu s'exfiltrer et donc reconstituer des bases de défunts, entre guillemets, des pôles de résistance ici et ici. Le deuxième objectif opérationnel de l'armée israélienne, c'était clairement de libérer les otages par la force. Et là, c'est un échec quasi complet, puisque seule une militaire israélienne qui était otage a été libérée, entre guillemets, par une opération spéciale. Donc, le gouvernement israélien en a tiré la conclusion que pour essayer de faire libérer un certain nombre d'otages, notamment les femmes, les enfants et certains vieillards, il fallait faire une trêve, négocier et entamer un processus de négociation. C'est ce qui s'est passé fin novembre, où pendant une semaine, vous avez une trêve qui a permis la libération de 50 otages strictement entre guillemets israéliens, plus environ 35 otages qui n'étaient pas israéliens, qui ont été pris là parce qu'ils étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. Notamment un certain nombre de travailleurs agricoles indonésiens, asiatiques, qui remplaçaient justement les anciens ouvriers agricoles palestiniens. Parce que l'un des paradoxes et des drames de cette situation-là et de tout ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les Israéliens qui ont été massacrés ici le 7 et 8 octobre sont pratiquement ceux qui étaient le plus acquis au camp de la paix, qui était très à gauche, qui vivaient dans des kibbutz et qui, eux, globalement, refusaient de vivre, entre guillemets, dans les colonies, et qui, eux, étaient prêts, et d'ailleurs, dans le passé, faisaient appel aux travailleurs agricoles palestiniens, etc., sur le thème « on peut s'entendre », etc. Donc c'est ça aussi qui a été un choc très violent dans la société israélienne, c'est qu'entre guillemets, ceux qui étaient les plus ouverts à l'autre se sont fait en partie massacrer. Tandis que les colons, qui, eux, évidemment, honnissent les Palestiniens, eux sont restés quand même à l'abri globalement dans leur colonie et n'ont pas été directement impactés. C'est ça aussi qu'il faut comprendre dans le vécu. Donc les objectifs, on va dire, opérationnels n'ont pas été atteints. Et c'était un moment pendant cette trêve-là où clairement la stratégie du Hamas s'est dit « c'est en train de marcher ». On use l'armée israélienne et on est en train de gagner la bataille médiatique, la bataille de l'image, menée en tête, notamment par Al Jazeera et par d'autres médias aussi, menée par l'Iran, clairement, qui se positionne comme chef de file, et la Turquie, chef de file, on va dire, de la lutte médiatique. Et très rapidement, les Israéliens, comme d'ailleurs les Palestiniens, comme d'ailleurs la communauté internationale et tous ceux qui sont impliqués dans ce qui se passe, ont compris que se passaient trois guerres en même temps. Une guerre sur le champ de bataille et le terrain, c'est ce qu'on voit là. Une guerre dans les médias, et la guerre de l'image, et une guerre pour le contrôle du narratif. C'est-à-dire pour être capable d'affirmer ou d'afficher à un moment donné de l'histoire le fait que l'un ou l'autre ont atteint leurs objectifs ou suffisamment d'objectifs pour pouvoir dire « Ok, on arrête les frais, on fait un cessez-le-feu et maintenant on repense sur d'autres bases ». Donc c'est ça qu'il faut intégrer. Le 1er décembre, donc pendant une semaine trêve, négociation. Et à un moment donné, donc le Hamas qui s'est dit, après tout, le Hamas et les gens qui supportent le Hamas, et notamment le Qatar, s'est dit, après tout, ça marche. Donc peut-être qu'on peut continuer. Mais comme maintenant on vous a rendu l'essentiel des femmes, des enfants, des vieillards, maintenant on arrive dans les hommes, les adultes, les soldats, les réservistes, évidemment le prix va monter. Jusqu'à présent, le prix de l'échange c'était 1 pour 3. Ce qui au passage, quand vous regardez dans l'histoire et l'histoire depuis ces 40 dernières années, des échanges entre soldats israéliens ou corps israéliens, soldats palestiniens, soldats du Hamas, soldats du Hezbollah, etc., est un taux de change entre guillemets très bas. Pour vous rappeler juste une donnée, quand le soldat franco-israélien Gilad Shalit a été libéré, le taux de change était de 1 pour 1000. Mais là, il faut regarder les chiffres.
Là, aujourd'hui, dans les prisons, on va dire palestiniennes, pardon, les prisons israéliennes, qu'elles soient en Israël ou dans des portions de territoires occupés en Cisjordanie, on estime, on n'a pas le chiffre exact, mais on estime qu'il y a entre 6 000 et 8 000 prisonniers palestiniens. Et de l'autre côté, après cette semaine d'échange, il reste encore 138 otages israéliens. Vous prenez la petite calculette, vous faites la division, et ça vous donne un taux de change aujourd'hui à ce ratio-là de 1 pour 55. Donc on était de 1 pour 3. Les Palestiniens se disent on peut monter. Plus on monte, et plus on va faire libérer de Palestiniens qui sont emprisonnés dans les prisons israéliennes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que alors que les combats ont repris aujourd'hui, donc là c'est ce qui se passe en ce moment, je vais y revenir 2 secondes après, en même temps que se passent ces combats-là, dans les coulisses, continue la négociation pour toute une série de choses. Je vous en parlerai juste après. Et dans cette négociation, évidemment, le but des Israéliens, c'est de maintenir le taux d'échange bas. Et le taux, le jeu, entre guillemets, du Hamas, c'est de faire monter les prix. Et il faut que vous ayez ça en tête pour comprendre là où on en est. Les Israéliens disent au Hamas, puisque vous voulez faire monter les prix, sous-entendu, bon, les femmes, les vieillards, les enfants, ok, c'était 1 pour 3. Maintenant qu'on arrive aux adultes et puis aux soldats et aux réservistes, on passe par exemple à 1 sur 10 ou 1 sur 15 ou 1 sur 20. Et les autres leur disent pas question. Pas question, donc on maintient la pression. On continue la pression et on arrive là. Là, vous avez en ce moment, les gros combats, ils sont sur Khan Younes, c'est-à-dire cette grosse ville ici. Pourquoi ? Parce que c'est le centre de gravité. Il y a deux centres de gravité, on va dire militaires ou stratégiques dans la bande de Gaza. Un au nord, c'est la ville de Gaza ici. L'autre ici, c'est Khan Younes, donc qui en fait est à égale distance de toute cette partie-là de la bande sud de Gaza. Et puis vous avez la ville de Rafah, quelque sorte, c'est le sas, c'est le dernier repli possible. C'est le sas qui permet aux Palestiniens ou aux Gazaouis d'aller en Égypte. Sauf que les Égyptiens, ils veulent surtout pas récupérer les Gazaouis. Je vous dirai après pourquoi. Donc ça, c'est une première notion. La deuxième notion, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé, les Israéliens se disent « plus jamais ça ». Plus jamais ça, on arrive dans un système où, de toute façon, on est en train d'être isolé sur la scène internationale. Donc, quitte à être isolé, autant redessiner les frontières ou en tout cas créer des situations de fait sur le terrain qui assurent une relative sécurité aux citoyens israéliens pour au moins une génération, disons, pour les 20 ans qui viennent. Je fais un grand bond dans l'histoire, ce que je vais essayer de vous dire. Donc du coup, le principe, c'est de se dire, et ça va m'amener à répondre à la question, quels objectifs pour Israël et donc quel avenir pour la bande de Gaza ? C'est que les Israéliens, là, ce qui se passe en ce moment, ils le vivent comme, et quand je dis ça, je ne prends pas de parti pour les uns ou pour les autres, mais je vous parle en tant qu'historien, ils le vivent comme une guerre existentielle qui rappelle la guerre d'indépendance de 1948-1949, où pendant à peu près 18 mois, il y a eu une succession d'offensives, de trêves, d'échanges, de massacres, de déplacements de population, de re-offensives, de trêves, etc., ininterrompues, pour quitter le système des frontières telles qu'elles avaient été définies par la communauté internationale et par l'Organisation des Nations Unies, pour redessiner de nouvelles frontières issues de réalités de rapports de force sur le terrain. Au passage, cette première guerre d'indépendance de 1948-49, elle a été extrêmement sanglante des deux côtés. Beaucoup plus que toutes les autres guerres israélo-arabes réunies. Mon intuition d'historien, c'est que je crains qu'on soit revenu dans ce schéma-là. Et que les Israéliens se disent, on en parlait tout à l'heure entre nous, finalement, on n'a plus grand-chose à perdre. Donc puisque de toute façon on est de plus en plus isolé, puisqu'on a des doutes sur le soutien américain des États-Unis même à terme,
eh ben, on va redéfinir, on va recréer une situation sur le terrain qui sera favorable sur le long terme à notre population. Encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, je vous dis juste des données brutes d'analystes, d'historiens. Donc, quels objectifs ? Ben, l'objectif, on revient à l'objectif initial, c'est-à-dire anéantir la branche armée du Hamas, au moins dans la bande de Gaza. Ce qui veut dire également libérer les otages d'une manière ou d'une autre. S'il faut en arriver, en passer par de nouvelles trêves, ils passeront par des trêves pour négocier la libération de 10, 20, 30, 40 otages. C'est toujours ça de récupérer. Eux, ils ont de toute façon un stock de 6 à 8 000 prisonniers palestiniens et ils en prennent tous les jours un peu plus parce que l'armée israélienne agit aujourd'hui en Cisjordanie, préventivement justement parce qu'ils se doutent bien que la phase d'extension, c'est-à-dire en fait si ça s'étend le conflit, ce sera probablement pas sur le front nord, je vous montrerai tout à l'heure une carte, ce sera beaucoup plus probablement, en tout cas le risque le plus élevé, c'est en Cisjordanie. Et c'est clairement la stratégie du Hamas. Le Hamas dit « Ok, vous voulez m'éliminer de la bande de Gaza ? D'accord. Eh bien, je renaîtrai de mes cendres, non pas dans la bande de Gaza, mais en Cisjordanie. » Donc en ce moment, Israël, l'armée israélienne mène une guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, on va dire préventivement, en démantelant des cellules, en clairement allant dans les camps de réfugiés, et en identifiant et en éliminant tous les cadres potentiels du Hamas qui pourraient tenter de prendre les armes, avec l'appui massif de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, qui est totalement délégitimée et qui sait qu'il n'a plus rien à perdre. Mahmoud Abbas et les cadres, on va dire, de l'autorité palestinienne tels qu'ils sont, savent qu'ils jouent leur survie, non seulement politique, mais leur survie physique dans ce qui est en train de se passer. Donc ils collaborent sans restriction avec Israël. D'ailleurs, vous regardez dans les médias, ils sont d'un silence total. On n'entend quasiment aucune déclaration de Mahmoud Abbas ou des responsables de l'autorité palestinienne parce qu'ils sont en train de se dire « on vit la fin de nos dernières heures » ou en tout cas de nos derniers jours, de nos dernières semaines ou de nos derniers mois. J'y reviendrai après quand je vous parlerai des Palestiniens. Quel avenir pour la bande de Gaza ? Il est probable qu'au sein du gouvernement israélien, notamment chez les Faucons, il y ait la volonté d'en faire un champ de ruines pour que plus personne ne puisse s'y installer et l'occuper. Chez les pragmatiques et les prudents, la stratégie, c'est plutôt de dire prenons le contrôle des points clés de la bande de Gaza, affaiblissons au maximum le Hamas, négocions ou entendons-nous avec nos partenaires arabes avec lesquels les dirigeants arabes, je ne parle pas des peuples, mais les dirigeants arabes avec lesquels on peut discuter pour créer les conditions d'arrivée d'une force internationale de sécurité qui pourrait être mandatée par les Nations Unies, la Ligue arabe, j'allais presque dire peu importe. Bref, amener sur place des forces de sécurité majoritairement arabes, égyptiennes, jordaniennes, marocaines, des Émirats arabes unis, saoudiennes, enfin, il y a un certain nombre de possibilités, pour permettre à l'armée israélienne de se retirer, pour éviter évidemment que le Hamas ne renaisse immédiatement de ses cendres sur place, pour passer les clés du camion, de la bande de Gaza, pardon, à cette force internationale, majoritairement constituée peut-être d'Arabes. Donc voilà un petit peu les options pour ça. Et pendant ce temps-là, eh bien, la situation se dégrade en Cisjordanie. Donc là, c'est la Cisjordanie. C'est ce que là j'appelle l'archipel palestinien. Pour vous donner un ordre d'idée, ce qui est en jaune, c'est sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Ce qui est en mauve, ou en mauve foncé, tout ça partout, c'est sous le contrôle de l'armée israélienne ou des Israéliennes. C'est ce qu'on appelle les zones A, les zones B, les zones C, liées aux accords d'Oslo et aux accords israélo-palestiniens, donc de 1993 et de 1999. Et là, vous voyez qu'en fait, et quand vous voyez par exemple des zones mauves comme ça, ben ça, c'est ce qu'on appelle les colonies. Ça, par exemple, c'est l'immense bloc d'Ariel
C'est une ville importante qui a été construite directement pour abriter non seulement les colons, mais aussi tous les nouveaux arrivants qui arrivent en Israël, à qui le gouvernement dit l'immobilier est très cher à Tel Aviv, sur la côte, etc. Si vous allez là, on vous paye entre guillemets un logement dans un immeuble tout nouveau qui va vous coûter 8 à 10 fois moins cher. Faites votre choix. Bah, évidemment, pour les gens qui arrivent et qui sont un peu fauchés, le choix il est vite vu. Ça ne veut pas dire que ce sont des idéologues, c'est juste que c'est l'argent qui commande. Bref, en Cisjordanie, ben vous voyez, depuis globalement 2 mois, il y a des petits affrontements, ben même des gros affrontements, qui commencent à s'allumer un petit peu partout. Les plus gros étant à Toul Karem, ici, et autour de Jénine, ici. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, le Hamas se dit « ma situation se dégrade et va vite devenir intenable dans la bande de Gaza ». Donc il faut faire diversion, il faut ouvrir un nouveau front ailleurs, en Cisjordanie. Et ça tombe bien parce qu'au même moment, le Hezbollah, l'Iran et un certain nombre d'autres acteurs se disent « le Liban doit rester stable ». Donc il est hors de question d'ouvrir un nouveau front au Liban. Pourquoi ? Bah, je vous en parlerai à la fin quand je vous dirai les bénéficiaires et puis ceux qui sortent affaiblis de cette guerre et de cette crise. Parce que globalement, l'Iran, mais surtout l'Hezbollah, ont globalement tout ce qu'ils veulent ou à peu près à la suite de cette nouvelle guerre. En tout cas, elle leur est très favorable. Donc comme ils ont engrangé beaucoup de gains, ils veulent faire fructifier leurs gains. Si vous voulez, c'est un peu comme ils sont au casino. Ils ne vont pas d'un coup miser tout d'un coup tapis sur un coup extrêmement aléatoire qui pourrait se retourner contre eux. Alors que... Donc le but du jeu, le Sud-Liban doit rester stable. Alors que si au contraire la situation explose en Cisjordanie, ça va occuper l'armée israélienne à échéance visible, voire à long terme. Donc l'armée israélienne ne sera pas capable de s'occuper à la fois de la bande de Gaza, de la Cisjordanie, et de lancer une opération au Sud-Liban contre le Hezbollah. Donc autant... À part le Hamas et le djihad islamique qui sont très présents dans les camps du sud Liban, je vous montrerai une carte tout à l'heure, qui eux ont intérêt à allumer un front, le front nord, et donc une nouvelle guerre entre Israël et le Liban. Mais c'est encore une fois absolument pas l'intérêt de l'Iran et du Hezbollah. Par contre, beaucoup de gens ont peut-être intérêt à ce que ça s'embrase ici. Sauf évidemment la Jordanie, ben j'en parlerai quand on dira ceux qui sortent affaiblis, parce que vous comprenez bien, et c'était l'utilité de cette carte, que si ici si, ça part en vrille et ça s'embrase un petit peu partout, le réceptacle naturel et l'endroit où les Palestiniens vont fuir, ben c'est ici la Jordanie, et là c'est une menace vitale pour le roi Abdallah II de Jordanie. Donc lui aussi, il n'en veut pas. Le front nord, puisque je vous en parlais. Pour vous donner un ordre d'idée, donc là vous avez tout Israël sur la carte. Donc en fait sur le front nord, c'est-à-dire à la frontière entre Israël ici et le Liban, voilà en hachuré où se passent les escarmouches, c'est-à-dire les tirs de roquettes, de missiles anti-chars du Hezbollah ou de milices, d'un certain nombre de milices plus ou moins manipulées peut-être par l'Iran probablement, ou même par le Hezbollah, etc. Donc c'est pour vous montrer que c'est extrêmement limité. Et les Israéliens ripostent globalement là, c'est tout. Donc on est dans un dialogue, si on peut dire, en tout cas dans un affrontement très cadré. Chacun comprend exactement les limites à ne pas dépasser et chacun, entre guillemets, fait ce qu'il peut pour maintenir la pression de part et d'autre. On en est là pour le moment. Donc ce que je voulais dire aussi sur cette carte-là, c'est important parce que ben justement ça rebondit et ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'Israël se dit c'est de nouveau probablement pour les Israéliens perçu comme une guerre existentielle alors même qu'ils dominent militairement
Je veux dire, il y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, ils ont la bombe atomique, ils dominent militairement leurs adversaires, mais c'est dans l'idée même de ce qu'est Israël et de la manière dont Israël est perçu ou soutenu par l'extérieur. Et sur le fait qu'ils ont compris, enfin, ils l'avaient déjà compris de longue date, mais disons que là, ils l'ont vraiment réalisé que même si les dirigeants, les monarques et les dirigeants de, disons, des pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël ont un dialogue avec eux, font du business, ont des actions de coopération, au fond, les populations de ces pays-là continuent à les détester et à les vouer aux hégémonies. Donc ils se disent que ça va être compliqué de rester dans cette portion-là. Donc pour pouvoir rester, eh bien, il faut faire peur. Donc il faut sortir le gros bâton et il faut dissuader tous ses adversaires. Et le risque, de mon point de vue, c'est que vu ce qui se passe, notamment à Gaza, s'il y a un risque notamment d'extension en Cisjordanie, c'est que les faucons au sein du gouvernement israélien se disent bah, c'est bon, c'est le moment, en fait, quitte à y aller partout, d'aller affaiblir et d'aller taper le Hezbollah au sud Liban. Donc mon message, c'est qu'aujourd'hui, le risque d'extension du conflit au nord, en direction du Liban et du Sud-Liban, il vient paradoxalement pas, enfin, incomparablement moins du Hezbollah et de l'Iran que majoritairement d'Israël, qui peut à un moment donné se retrouver dans une logique de dire, puisque c'est comme ça, eh ben on va aller fracasser le Hezbollah. C'est comme le Hamas, on ne le réduira pas, on ne l'éliminera pas. Mais au moins, on sera capable de lui donner de tels coups qu'il ne nous frappera pas en retour dans le futur. Je ne vous dis pas que c'est un calcul rationnel ou pas, je vous dis juste que c'est comme ça qu'aujourd'hui réfléchissent les gouvernants israéliens. Justement, parlons des dilemmes du gouvernement israélien et d'abord et avant tout de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre. Lui, son souci, et je parle bien de lui et non pas d'Israël ou même du gouvernement, son souci, c'est de rester au pouvoir à n'importe quel prix. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que le jour où il y aura la cessation des hostilités, il va y avoir immédiatement une commission d'enquête. Déjà là, avant même la commission d'enquête, il y a la reprise de ses procès judiciaires. Et tout le monde s'accorde à dire, y compris les gens du Likoud qui ont voté pour lui, que cette commission d'enquête sera absolument impitoyable et sans pitié pour lui et pour les erreurs majeures qu'il a faites au début et avant cette crise qui a mené là. Donc lui, c'est il faut que la guerre dure le plus longtemps possible parce que ça me permet d'essayer de sauver ma peau. Peut-être même, y compris physiquement, parce que vu les massacres qui ont été commis en Israël, il y a certainement des familles de survivants qui se disent et qui disent à Netanyahou, vous ne l'emporterez pas au paradis. Et là-bas, la vengeance est un plat qui se mange chaud. Deuxième objectif, comment bien sûr gérer la guerre contre le Hamas, notamment dans la durée et notamment sur le plan économique. Si on en croit les chiffres qui sont avancés par l'équivalent de la Cour des comptes israélienne, parce que le paradoxe, c'est que pendant ce temps-là, les institutions israéliennes continuent à fonctionner, la Cour suprême, etc., la Cour des comptes, le conflit aurait déjà coûté environ 55 milliards de dollars à Israël. Bon, ça, c'est un coût. Évidemment, ça continue, hein, chaque jour, chaque semaine. Mais plus grave pour Israël et pour Netanyahou et plus généralement pour le gouvernement israélien, c'est une baisse de l'activité économique. Bah oui, vous ne pouvez pas être à la fois au front mobilisé et puis dans vos sociétés, dans vos start-up ou à l'usine. Et clairement, ça fait fuir les investisseurs étrangers, notamment tous ceux qui investissaient dans la high-tech, dans la haute technologie, ce qu'on appelle la Silicon Wadi en Israël. Et donc, le principe, c'est que le gouvernement, enfin Israël, de ce côté-là, perd deux ou trois fois le coût des opérations, le coût économique des opérations et les pertes de revenus
engendrée par le fait que les investisseurs s'en vont. Non seulement des investisseurs, mais également ceux qui étaient prêts à immigrer et venir en Israël. Donc là, apparemment, en ce moment, il y a un taux, si vous voulez, un flux de ce que les Israéliens appellent l'aliya, c'est-à-dire le retour au pays, là, il est négatif. Ça va, c'est les gens qui quittent Israël. Ce qui, évidemment, fait le jeu des Palestiniens et des pays arabes voisins. Donc ça, c'est un vrai dilemme. Comment contrer l'Iran et le Hezbollah et éviter qu'ils ne franchissent le seuil nucléaire, bien sûr. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, c'était sur ma première carte, données essentielles. Cette guerre-là qui se passe en ce moment, c'est la première guerre dans laquelle est Israël, où Israël se retrouve face à un adversaire dont un des alliés directs est au seuil nucléaire, l'Iran. Jusqu'à présent, même la guerre de 2006, qui a été très dure entre le Hezbollah et Israël, l'Iran était très loin du seuil nucléaire. Là, l'Iran est au seuil nucléaire. Donc les décideurs iraniens doivent raisonner différemment. Peut-être même qu'une des conséquences de cette guerre, quelle qu'elle soit, sera que les Israéliens décident de sortir de l'ambiguïté nucléaire pour dire, après tout, maintenant on le dit à tout le monde, puisque vous nous avez affaiblis, nous avons l'arme nucléaire et nous avons une stratégie de dissuasion réelle de ce côté-là. Quitte à ce qu'en face, les Iraniens franchissent eux aussi le seuil nucléaire et disent, nous aussi, pour ouvrir une sorte de nouvel équilibre de la terreur ou de la dissuasion au Moyen-Orient. Je ne lis pas dans le marc de café, donc je ne peux pas vous dire, mais ça peut être une option. Bien sûr, comment rester l'allié spécial des États-Unis dans la région? Et ça, c'est toute la guerre médiatique. C'est pour ça aussi qu'Israël accepte des trêves, parce qu'à un moment donné, le président Biden et Anthony Blinken, son secrétaire d'État, et tordent le bras de Netanyahou très fort pour lui dire « Bon, maintenant, il faut arrêter, parce que là, sinon, moi, je ne réponds plus de mes médias aux États-Unis et vous êtes en train de perdre votre support. » Je vous invite à regarder les discussions qui se font dans les grands campus américains, y compris à Harvard. Donc là, les Israéliens se disent « ça commence à sentir... » Donc il faut garder, malgré tout, le soutien des États-Unis. Et bien sûr, comment garder les investissements à la fois américains et européens et les échanges économiques avec l'Union européenne, parce que ça, on ne le dit pas assez, l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Donc tout ce qui est menace de boycott, etc., ça parle tout de suite aux Israéliens, ils comprennent très bien, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, l'impact possible. Et donc, les Israéliens comprennent que, évidemment, il y a une bataille du narratif et une bataille médiatique. Donc, on peut comprendre, et je vais vous montrer, il y a des débats fondamentaux au sein du gouvernement israélien entre ceux qui disent c'est peut-être l'occasion, c'est les faucons, d'aller à fond et d'essayer de taper nos adversaires le plus fort, et ceux qui disent non, il faut rester prudent et pragmatique, il faut penser à l'avenir. Et il faut essayer d'avoir une position rationnelle. Ce que vous voyez sur, non pas cette carte, mais ce schéma. Ce qu'il faut comprendre, je vais parler d'Israël, puis du côté palestinien. Il n'y a aujourd'hui aucun consensus et aucune unanimité, ni chez les Israéliens, ni chez les Palestiniens. Les Israéliens comme... les Palestiniens sont extrêmement divisés. Quand vous avez affaire à des belligérants, j'allais dire, unis, clairement, bien identifiés, à la limite, je ne dis pas que c'est facile, mais au moins en termes de négociation, il y a toujours la possibilité de se dire, au moins on sait qui c'est et on peut là. Là, du côté israélien, vous avez à droite ce que je qualifierais de faucons et les idéologues. Vous avez le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, vous avez Yoav Galant, son ministre de la Défense. Pour la petite histoire, le général Yoav Galant, c'est lui qui est le père de la doctrine d'Aya. D'Aya, c'est une banlieue au sud de Beyrouth. Et ce général Galant, en fait, il commandait le front nord, autant pour moi, le front nord, juste après la guerre de 2006. Donc, il a eu à gérer les conséquences
pour l'armée israélienne de la demi-défaite de la guerre de 2006. Et il a dicté une doctrine qui s'appelle Daya, qui consiste à dire, c'est de la dissuasion classique conventionnelle, si le Hezbollah rentre en guerre contre Israël, on détruit toutes les infrastructures de l'État libanais. Sous-entendu punition collective. Donc à l'État libanais d'être intelligent et à la classe politique libanaise d'être intelligente pour retenir entre guillemets le Hezbollah et éviter qu'il fasse n'importe quoi. C'est ce général-là qui est aujourd'hui ministre de la Défense en Israël. Et qui sait qu'avec les failles du 7 et du 8 octobre, lui aussi il passera à la trappe quand il y aura la commission d'enquête. Donc lui, il a plutôt tendance à être un peu jusqu'au boutiste. Puis vous avez les deux ministres d'extrême droite religieuse donc, du gouvernement, dont vous entendez parfois parler dans la presse, donc Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui eux sont clairement, c'est le bon moment, c'est maintenant qu'il faut éliminer tous les adversaires d'Israël. Et dans ce camp-là, vous avez aussi, bien sûr, enfin pas bien sûr, mais vous avez une grande partie des familles des kibboutzniks qui ont été massacrées, bah, parce qu'on peut les comprendre, donc qui se disent... Pardon. Et de manière plus étonnante, vous avez les acteurs et les producteurs de la série Faouda. Donc si je n'ai... Alors maintenant, ça fait un... Ça reprend, oui. Ça fait un peu bizarre maintenant de parler de cette série qui était prémontée. Si elle... Oui, ça revient. Bon. Parce qu'en fait, cette série, elle raconte globalement ce qui s'est passé et ce qui se passe, ce qui peut se passer sur place quand vous avez une unité spéciale des forces israéliennes spécialisée dans l'infiltration des milieux arabes. Et donc, en fait, ça raconte ce qui se passe. Et le paradoxe, c'est que ces acteurs sont plutôt classés bien à gauche. Et eux, ils disent non. Au passage, la plupart d'entre eux sont mobilisés aujourd'hui sur le front, contre le Hamas, et ils ont déjà perdu un acteur et le producteur de la série, qui a été tué dans les combats à Gaza. Donc eux, ils disent non, c'est sûr qu'ils sont proches des kibboutzniks. Donc ils disent non, il faut entre guillemets finir le travail. De l'autre côté, vous avez plutôt les sécuritaires. Ceux qui sont issus de la sphère sécuritaire et qui sont très pragmatiques et prudents. Vous avez à gauche, en haut, David Barnea, c'est le chef du Mossad. Vous avez Benny Gantz, qui est un homme politique de premier plan, qui est un ancien chef d'état-major des armées, un ancien ministre de la Défense et un ancien vice-premier ministre. Donc il a été premier ministre par intérim. Et il est strictement opposé, enfin il est en opposition frontale à Netanyahou. Mais, entre guillemets, pour des raisons d'unité nationale, il a dit « je rejoins le gouvernement pour lutter contre le Hamas et dès que c'est terminé, dès qu'on a trouvé une solution et dès qu'on a un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, c'est clair, je reprends ma liberté, je fais tomber Netanyahou et on va aux élections et lui espère les gagner ». Donc lui, c'est quelqu'un de très prudent, très pragmatique. Vous avez en dessous de lui Gadi Eisenkot, là. Lui, c'est un ancien chef d'état-major des armées, c'est un grand copain de Benny Gantz. Donc, j'allais dire, les deux font la paire. Et puis, vous avez Ron Dermer, c'est l'actuel ministre des Affaires stratégiques, mais il a été anciennement, auparavant, il était ambassadeur à Washington. Et lui, il dit, il faut surtout pas perdre le soutien des États-Unis. Donc, il dit pas, il faut faire ce que nous disent les États-Unis, mais il dit, il faut prendre en compte les pressions et il faut prendre en compte l'agenda des États-Unis et donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis vous avez bien sûr les familles d'otages qui naturellement eux sont plus pour trouver une solution, qu'elle soit opérationnelle ou qu'elle soit liée à une négociation pour essayer de faire libérer les leurs. Mais du côté palestinien, ça n'est pas plus uni, c'est même totalement désuni. Ce que j'appelle la nébuleuse palestinienne, vous avez deux grandes tendances. À droite, vous avez la tendance Fatah OLP canal historique, aujourd'hui représentée par Mahmoud Abbas, là. Donc,
totalement très vieux, totalement délégitimé, totalement corrompu, tout le monde est bien d'accord là-dessus, et qui ne survit que parce que finalement la communauté internationale, voulant le maintien de l'autorité palestinienne et comprenant qu'on ne sait pas trop qui prendra sa suite, le soutient malgré tout. Donc lui, tout le monde est à peu près d'accord pour l'éliminer, pas physiquement, mais au moins pour le faire partir. Y compris tous les voisins d'Israël, y compris les soutiens, les Émirats arabes unis, la Jordanie, l'Égypte, un certain nombre de pays. Donc c'est la lutte pour la succession. Et là, vous avez, on va dire, trois dauphins potentiels. Vous avez le vrai dauphin, c'est probablement... Alors ce que je vous dis, c'est fluctuant, parce qu'évidemment, comme dans toute lutte de pouvoir, ça peut changer d'un moment à l'autre. Mais disons qu'en l'état actuel... Ce serait plutôt Majid Farage, qui est l'ancien chef des services de sécurité et de renseignement justement de Mahmoud Abbas, et qui a la confiance, bien sûr, de l'appareil décisionnaire de l'OLP, mais surtout aussi des Égyptiens et des Jordaniens. Parce que ce que je vous montre là, et c'est pour ça que je vous le montre comme ça, c'est que tous ces candidats, entre guillemets, ou tous ces dauphins, ou tous ces leaders potentiels, sont tous soutenus par des sponsors très différents. Beaucoup d'écuries dans la course. Donc évidemment, chaque État a son candidat ou son champion et préférera une situation de gel ou de statu quo plutôt que de voir le champion de l'autre triompher. Donc vous avez Mohamed Dahlan. Lui, aujourd'hui, il est réfugié aux Émirats Arabes Unis. C'était le chef de la sécurité, c'est-à-dire en fait l'alter ego, si on peut dire, de Majid Farage. Lui, il était pour la Cisjordanie. Lui, Mohamed Dahlan, il était pour la bande de Gaza. Il s'est fait sortir manu militari par le Hamas en 2007. Parce qu'évidemment, il n'était pas de la bonne tendance. Donc il est allé quelques mois à Ramallah, près de Mahmoud Abbas, qui a vu en lui un dauphin très ambitieux et qui lui a dit « ça ne va pas aller du tout ». Donc il lui a dit « tu ferais mieux d'aller à Abu Dhabi, c'est mieux, ou à Dubaï ». Donc c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, il est à Abu Dhabi. Il est très proche de Mohamed Ben Zayed. Donc évidemment, les Émirats Arabes Unis misent sur lui. Et puis vous avez le joker, Marwan Barghouti. Lui, il est en prison. Il est emprisonné dans une prison de haute sécurité israélienne depuis 2001, depuis le début de la deuxième intifada. Et lui pourrait faire... à peu près, je ne dis pas l'unanimité, mais représente celui qui pourrait fédérer un peu tout le monde. Mais il est en prison. Et pour le moment, les Israéliens n'imaginent pas le libérer. Les mauvaises langues disent qu'il est mieux en prison parce que s'il sortait, il a tellement d'ennemis et de rivaux qu'il pourrait, mal terminer très vite. Donc peut-être que les Israéliens le gardent au chaud, entre guillemets, pour le sortir tel le joker au bon moment, je ne sais pas. C'est une option. Ensuite, vous avez la tendance Hamas. Alors là, vous avez aujourd'hui ceux qui combattent à Gaza et donc dans le cadre du Hamas. Vous avez Yahya Sinwar, donc qui est celui qui a ordonné, qui a dirigé et piloté l'attaque du 7 et du 8 octobre. Et donc qui est quelque part retranché dans des tunnels dans Gaza, c'est lui, on va dire, l'adversaire numéro un des Israéliens en ce moment. Donc ils le recherchent par tous les moyens, ils veulent l'éliminer. C'est lui qui commande à Gaza, donc en fait c'est lui qui commande sur le terrain. Et comme il est prudent, il a son numéro 2, c'est-à-dire son adjoint, qui s'appelle Saleh al-Arouri, qui est aujourd'hui réfugié, mis à l'abri au Liban. C'est-à-dire le chef gère les opérations depuis Gaza, son adjoint est à l'abri dans des camps palestiniens au Liban, au sud Liban, pour être capable de prendre la suite si justement Sinwar se fait tuer. Et en même temps, sa mission, lui, clairement, c'est recruter large dans les camps palestiniens pour essayer de soulever les camps palestiniens, pour essayer donc de porter la guerre sur le front nord. Ce qui, au passage, ne fait pas vraiment plaisir au Hezbollah et à l'Iran. C'est-à-dire qu'à la fois, le Hezbollah et l'Iran soutiennent les deux, mais en même temps, lui disent « oui, mais il ne faut quand même pas faire n'importe quoi ». Donc, vous voyez que ce n'est pas simple. Et puis, dans la tendance Hamas canal historique,
Vous avez le chef, entre guillemets, le chef officiel, c'est Ismail Haniyeh, donc qui lui passe son temps entre la Turquie et le Qatar et qui est le leader, on va dire, historique, enfin le chef du Hamas aujourd'hui, et qui est challengé par Khaled Meshal, surnommé Mr. Nespresso pour sa similitude avec un célèbre acteur américain, qui lui vit clairement au Qatar, mais qui est aussi soutenu par la Turquie. Donc pour faire simple, la Turquie et le Qatar soutiennent ces deux-là, mais ces deux-là se détestent et sont en rivalité. L'Iran et le Hezbollah soutiennent ces deux-là en se disant qu'ils ne vont pas vivre très longtemps. Et les autres se disent qui choisir parmi ceux-là. Bah, comme dans la réalité, c'est comme quand on fait un gouvernement, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre qui n'est pas sur cette image. C'est peut-être même une option probable. Quelques chiffres avant de terminer. Alors, je ne veux pas trop insister, mais pourquoi ? Parce que quand vous êtes historien, analyste ou quoi, ben, au bout du compte, il y a les faits, il y a les chiffres, il y a les données, et c'est quand même des éléments tangibles. Aujourd'hui, la situation, c'est quoi ? En Israël, il y a 9 millions d'habitants, dont 7 millions de juifs, dont 20% viennent de l'ex-URSS et sont russophones. Ils ne se sentent pas forcément totalement intégrés, ou disons, dans le jeu démocratique classique, tel que l'ont créé les kibboutzniks du tout début des années 1940-1950. Sur ces 7 millions de juifs, vous en avez 700 000, c'est-à-dire 10%, qui vivent dans les territoires palestiniens. Les deux tiers en Cisjordanie, un tiers autour de Jérusalem. Tous ne sont pas ce que la presse ou on appelle des colons. Loin de là, je vous ai expliqué, il y en a plein qui sont là uniquement par intérêt économique. Si demain le gouvernement leur dit ben, « en fait, vous avez le même appart sur la côte », ils sont les premiers à y aller en disant « bon plan, bien sûr, j'y vais très vite ». Vous avez donc 7 millions de juifs et 2 millions d'arabes israéliens. Et vous avez 8,5 millions de juifs qui vivent en diaspora, aux États-Unis, en France, beaucoup aussi dans l'ancienne Union soviétique, y compris en Russie. De l'autre côté, dans les territoires palestiniens, donc je parle bien les territoires palestiniens soumis à l'autorité palestinienne, vous avez 5,5 millions de Palestiniens, 3,3 en Cisjordanie, 2,2 à Gaza. J'ai oublié une donnée fondamentale, et vous en avez 6,5 millions en diaspora. Donnée fondamentale, l'âge médian en Israël est de 33 ans, ce qui est déjà relativement jeune, mais l'âge médian dans les territoires palestiniens est de 20 ans. Avec un taux de fécondité qui oscille aujourd'hui entre 4 et 5. Donc quand vous avez ça en tête, vous comprenez que la solution à un État aboutira au fait que les Palestiniens seront majoritaires dans un État unique, leur proportion augmentera rapidement, et que donc c'est inacceptable pour les Juifs israéliens. Encore une fois, je ne fais pas de jugement de valeur ou quoi, je vous donne juste des données brutes. Si Israël maintient le statu quo, c'est-à-dire dit, bon, ben, on va continuer comme ça, on change sans vraiment changer, donc en fait, on ne négocie pas vraiment avec les Palestiniens, on continue à remodeler les frontières à notre avantage, ou en tout cas pour essayer d'accroître la sécurité des Israéliens, eh bien, l'État d'Israël s'isole encore davantage sur la scène internationale, ce qui le fragilise encore. Mais comme on disait avec Pascal Hausser avant cette conférence, peut-être que de leur point de vue, il vaut mieux être isolé que mort ou que renvoyé de leur terre. Je ne prends pas parti, je vous donne juste des données. Et si c'est la solution à deux États qui prévaut, évidemment, ça pose plein de questions. Quel dirigeant palestinien ? Je viens de vous montrer que c'était un peu compliqué. Quelles frontières ? C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Qui contrôle Jérusalem ? Quid des réfugiés ? Qui contrôle l'eau ? Comment relier la bande de Gaza à la Cisjordanie ? Et quelles forces de sécurité pour le futur État palestinien qui soit acceptable par Israël et par la communauté internationale et par les voisins ?
Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire que clairement, ceux qui négocieront ce dossier-là devront se poser, comme tous leurs prédécesseurs depuis 50 ans, ces questions cruciales. Et pour terminer, on revient à la géopolitique. C'est quand même notre ADN, hein, à la FMS, la géopolitique. Donc, puis là, maintenant, je vous ai bien plombé, donc on va un peu respirer donc, pour essayer de s'élever. Qui sont les bénéficiaires de cette guerre ? Indubitablement, l'Iran et le Hezbollah. Mais d'abord, l'Iran. L'Iran, globalement, a coché à peu près toutes les cases. C'est-à-dire qu'il a tué, enfin, il n'a pas tué, il a mis au congélateur la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, donc entre Israël et les autres États arabes, ceux qui n'avaient pas encore normalisé. Même ceux qui ont normalisé commencent à dire que c'est compliqué à gérer. L'Iran a fait diversion, enfin c'est pas l'Iran, mais le résultat c'est qu'il y a une formidable diversion. Au lieu de s'occuper de l'Iran, de l'Irak, des Kurdes, du Caucase, clairement Israël s'est concentré sur ses menaces intérieures, parce qu'évidemment, quand vous avez le feu à la maison, vous n'allez pas essayer de courir à droite à gauche pour pousser vos pions. Parce que Israël, la stature d'Israël stratégique a été affaiblie, parce que Israël sort davantage isolé sur la scène internationale, et parce qu'en plus, le Hamas a fait une démonstration de dissuasion classique à l'égard d'Israël sur le thème. Vous avez vu ce que le Hamas, qui était quand même très largement sous-évalué, que vous considériez comme globalement des va-nu-pieds, disons peu compétents, a été capable de vous infliger. Imaginez ce que le Hezbollah, qui est incomparablement plus professionnel et mieux armé, sera capable de vous, ou serait en mesure de vous infliger si jamais vous rentriez en conflit direct avec lui. Donc dissuasion classique conventionnelle. Et puis, tout ça en continuant à renforcer ses liens avec la Chine, avec l'Arabie Saoudite. Il y a eu un sommet la semaine dernière, il y a 10 jours maintenant, de l'Organisation de la coopération islamique en Arabie Saoudite, où le président Raisi s'est rendu en grande pompe, et où le prince héritier Mohammed Ben Salman, saoudien, lui a dit « Cher ami, on est prêts, nous, saoudiens, à faire plein d'investissements massifs en Iran si vous ne rajoutez pas d'huile sur le conflit, là, et si vous n'ouvrez pas un nouveau front, clairement, qui nous impliquerait tous directement. » Ce qui veut dire que, clairement, il est dans une position de force. Le Hezbollah, ben, pour les raisons que je vous ai indiquées aussi, parce que finalement, le Hezbollah, aujourd'hui, est reconnu comme le faiseur de roi au Liban, que, globalement, il a à peu près la place qu'il voulait. Et lui, ce qu'il cherche, c'est accroître sa place au soleil, si on peut dire. Et surtout, c'est essayer de convaincre les amis du Liban de renégocier les accords de Taif. C'est-à-dire les accords de Taif, c'était les accords qui disaient globalement les différentes communautés, vous avez ci, vous avez ça, vous avez le Premier ministre, vous avez le chef du Parlement, vous avez le président, vous avez la Banque centrale, vous avez la poste, vous avez l'électricité, etc., etc. Et en fonction du rapport de force, notamment démographique. Donc, ils sont en position de force. Le Qatar, parce que le Qatar, dans les bénéficiaires, tous négocient au Qatar. Donc, le Qatar, totalement soutenu par l'administration démocrate de Biden, se dit, j'existe. Enfin, je veux dire, je joue à fond mon rôle d'acteur incontournable sur la scène régionale. Tout en étant prudent, parce qu'il sait que dans 11 mois et 3 semaines, il y a des élections présidentielles aux États-Unis et que si Trump ou les Républicains l'emportent, là, ça peut très mal se passer pour le Qatar, comme la dernière fois avec Trump. Donc peut-être que le Qatar, de manière très pragmatique, se dit « je vais miser sur les deux tableaux », c'est-à-dire que paradoxalement, en montrant que je suis incontournable dans la négociation avec Israël, et voire même, il y a quand même le chef des négociateurs, le chef des négociateurs qatariens qui s'est rendu à Jérusalem pour négocier directement avec les Israéliens et les Américains et les Égyptiens, ce qui est une reconnaissance de fait d'Israël. Donc peut-être que le Qatar se dit, en fonction de comment le vent tourne,
notamment dans les sondages préélectoraux aux États-Unis. Peut-être même que je vais reconnaître Israël avant l'Arabie Saoudite, histoire de damer le pion à l'Arabie Saoudite et de dire bah, moi j'ai reconnu. Et comme ça, une fois que j'ai reconnu Israël, quel que soit le résultat de la présidentielle, je suis tranquille. C'est une option. On pourra en discuter, on peut voir. L'autre bénéficiaire, bien sûr, c'est la Russie, parce que bah, ça fait diversion. Hein, plus personne ne parle de l'Ukraine. Et même pas vos journaux préférés, même pas BFM TV, je plaisante. Donc, évidemment, pendant ce temps-là, Poutine s'enhardit, reprend l'initiative. On nous fait comprendre à demi-mot que ça va quand même globalement assez mal sur le front ukrainien. Donc c'est tout bon pour Poutine. Et Poutine est tellement ragaillardi que là, en ce moment, il se permet, par exemple, hier et aujourd'hui, de faire une grande tournée au Moyen-Orient. Il va en Arabie Saoudite, il va aux Émirats Arabes Unis, il discute, voilà. Alors qu'il n'était pas sorti du pays, à part pour aller en Corée du Nord pendant l'année précédente. Ce qui est aussi quand même un signe. Je reviendrai sur les deux derniers à la fin. Ceux qui en sortent affaiblis, Israël, point d'interrogation. Ben, c'est tout ce que je vous ai dit pendant la conférence, donc c'est à vous de tirer la conclusion que vous souhaiterez. Clairement la Jordanie, parce que la Jordanie, le roi de Jordanie, donc Abdallah II, a bien compris qu'alors là, il était complètement dans l'œil du cyclone, et que si ça se passait mal, notamment Cisjordanie, ben, il serait le prochain sur la liste, c'est-à-dire en fait, s'il y a un afflux massif de réfugiés palestiniens chez lui, il perd son trône. L'Égypte, parce que les Égyptiens, au passage, il y a une élection présidentielle ce mois-ci au Caire. Personne n'en parle aussi. Bon, évidemment, c'est Sisi qui va gagner, à condition que ce qu'on appelle le Conseil suprême des forces armées égyptiennes, qui en réalité dirige le pays, le nomme comme candidat. A priori, c'est ce qui va se passer. Mais il y a toujours un petit doute. Et puis, il sait que s'il prend des réfugiés gazaouis chez lui, ça va être un élément de forte déstabilisation pour toute sa population. Donc lui, il veut surtout pas de réfugiés gazaouis en Égypte, alors même que, entre guillemets, ça pourrait être une solution facile. C'est ce que lui disent les Israéliens, c'est ce que lui disent les Américains. Vous faites de grands camps de toile là dans le Sinaï, vous prenez les 2 millions de réfugiés, on n'en parle plus, on vous aide, on vous donne beaucoup d'argent, et puis voilà. Et Sisi, il répond, si vous faites ça, vous me mettez en situation de conflit direct avec Israël. Sous-entendu, je romps les accords de Camp David et puis on repart sur une autre logique. Et accessoirement, je mets tous les réfugiés gazaouis sur des bateaux direction l'Europe, la Turquie. Débrouillez-vous. Je vous dis ce qu'il en est. Et le Liban, évidemment affaibli, qui est en train de regarder, de respirer, de se dire oulala, pourvu que ça ne tombe pas dessus, qui est clairement qui sort affaibli de cette histoire-là. Les attentistes, la Turquie. Au début, la Turquie, le président Erdogan était tout feu tout flamme sur le thème « Je suis le plus grand ami des Palestiniens, je vais vous aider », etc. Quand il a compris que sa rhétorique ne fonctionnait pas trop, etc., parce que tout le monde dans la région, notamment les pays arabes, lui ont dit « Écoute, les Palestiniens, c'est des Arabes, laisse-nous gérer ça ». Premier point. Deuxième point, on lui a dit « Ah, tu veux t'en occuper ? Prends-nous 2 millions ou 1 million de réfugiés gazaouis, tu nous aideras ». Ah ouais, non, c'est pas exactement ce que je voulais. Donc, pour le moment, il est en position d'attente. Puis il a d'autres soucis dans la région, d'autres soucis notamment par le fait qu'il voit que la Russie reprend, enfin, en tout cas l'ascendant en Ukraine, et du coup ça peut changer le rapport de force dans ses relations, lui, avec la Russie. Donc il a intérêt à se rapprocher notamment de l'OTAN, des États-Unis, etc., pour dire non, mais en fait, vous savez, avec les Grecs et tout, c'était un malentendu, on revient dans les bons thèmes, etc. L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, elle a raté le coche. Elle pouvait tout gagner, un programme nucléaire civil, des accords de sécurité, une normalisation avec Israël. Pshit, plus rien. Donc évidemment, elle se dit, bon, Mackay, il va falloir réfléchir. Quel est le prochain coup? Et les Émirats Arabes Unis, ils sont un peu dans la même situation. Ils voient que tout se passe entre le Qatar, l'Égypte, les États-Unis.
à la limite même l'Iran et les États-Unis, mais que eux, pour le moment, sont un peu mis de côté. Puis eux, comme de toute façon, ils soutiennent à fond Mohamed Dahlan, qui objectivement n'est quand même pas celui qui a le plus de chances d'arriver au pouvoir. Évidemment, ils sont un petit peu mis de côté. Puis la grande question, évidemment, c'est les États-Unis et la Chine. Parce que finalement, les deux ont un jeu ouvert. Et c'est difficile pour le moment de se dire est-ce qu'ils vont bénéficier ou pas de cette crise. Les États-Unis ont tout de suite réagi, sorti le gros bâton, deux groupes aéronavals, davantage de moyens militaires sur la région. En fait, ils ressortent le gros bâton et ils rappellent à tout le monde, on vous rappelle qu'on en a un, le gros bâton, et qu'on peut accessoirement s'en servir si vraiment vous nous poussez dans nos retranchements ou si vous allez à l'encontre de nos intérêts stratégiques. Là, ça a calmé un peu tout le monde. Donc le fait de voir les États-Unis revenir, non pas tellement dans la région, parce qu'ils peuvent repartir très vite, puis ils peuvent revenir très vite ensuite après, mais d'être capable d'avoir un discours coercitif fort et convaincant, leur fait regagner de la crédibilité par rapport à un certain nombre de pays, notamment dans les monarchies arabes, qui disaient « non, mais ils sont en train de nous laisser tomber ». Donc c'est à suivre. Et la Chine, elle n'a pas pris parti, elle n'a pas condamné le Hamas. Donc elle se met bien, entre guillemets, avec tous les pays arabes de la région. Elle dit, vous allez devoir reconstruire la bande de Gaza, le Moyen-Orient, etc. Nous, on est là pour ça. On peut faire plein de business. Et les États-Unis lui disent, c'était sans doute ce qui s'est passé le 15 ou le 16 novembre dernier, quand le président Biden a accueilli le président Xi Jinping en Californie, aux États-Unis, où ils ont parlé, ils ont refait le monde, quoi, pour faire simple. Et comme par hasard, quelques jours plus tard, Xi Jinping littéralement convoque à Pékin Mahmoud Abbas, le vieux leader palestinien totalement délégitimé, et un certain nombre de chefs d'État arabes, et on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Clairement, ça veut dire que probablement les États-Unis ont dit au Pékin, aux Chinois, vous voulez jouer au Moyen-Orient, vous êtes en ce moment dans une position très favorable au Moyen-Orient, eh bien allez-y, mettez les mains dans le cambouis et occupez-vous du dossier palestinien, on va voir ce dont vous êtes capable. Là aussi, on n'a pas le résultat des courses. Mais on verra, c'est clairement à suivre. Pour conclure, quatre messages très forts. 1. L'avenir n'est pas écrit. Jamais. 2. Pour, disons, une résolution, je ne dis pas acceptable, mais disons pour un apaisement et une résolution du conflit israélo-palestinien, il faudra une conjonction astrale extrêmement favorable avec deux dirigeants visionnaires, courageux, légitimes, prêts à se sacrifier. On en est loin. Donc ça veut dire que tant que Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas resteront au pouvoir chacun dans leur camp, rien ne bougera. Donc pour faire bouger les éléments, il faut d'autres leaderships. 3. Et au passage, sur tous ceux qui disent que non, mais en fait, il n'y a aucune possibilité de trouver un accord entre Israéliens et Palestiniens. L'histoire a montré qu'en 2003, alors qu'on était au plus fort de la deuxième intifada, Ariel Sharon et Yasser Arafat ont mandaté deux équipes de négociateurs à Genève pendant 6 mois, enfermés dans un hôtel, pour négocier tous les points, toutes les questions sur lesquelles tout à l'heure je vous ai mis un point d'interrogation pour le « et si deux États ». Et le pire, c'est qu'ils y sont arrivés. Le plus fort, c'est qu'ils y sont arrivés. Sauf que quand ils sont rentrés chez eux, à Ramallah et à Jérusalem, et quand leurs chefs ont vu le résultat, ils l'ont bien lu en détail, ils l'ont mis au coffre, enfermé à triple tour, et ils ont dit on n'y touche plus. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ça impliquait des concessions majeures de part et d'autre, et que de part et d'autre, chacun savait que ces ultras n'étaient pas prêts à accepter ça, et que s'ils le rendaient public et s'ils demandaient leur application, eux, leur espérance de vie est extrêmement limitée. 3. L'histoire dépassionnée reste d'une aide précieuse pour comprendre les événements. C'est ce que j'ai essayé de faire ce soir. Donc, nous collectivement,
il faut garder la tête froide quand vous abordez ce genre de sujet, même si ce n'est pas toujours facile. Et dernièrement, en dernier point, ça c'est l'historien qui vous parle, l'histoire montre que parfois, d'un pire sera meilleur. Je termine là-dessus et je vous remercie et on prend toutes les questions. Le micro est en train de tourner. Et on va prendre trois questions à la fois, s'il vous plaît. Juste pour gagner du temps, évitez les commentaires. Enfin, vous pouvez me donner des commentaires, mais je veux dire, pour que tout le monde ait une chance de poser une question, faites tourner le micro, ne monopolisez pas la parole. Et je prends trois questions à la fois. Didier Piaton, tout d'abord, bravo et merci pour cette conférence sur un choix qui n'est pas facile, puisque c'est une guerre d'actualité. Je parle plus près du micro. Donc je voulais remercier la FMES pour ce choix courageux et qui a justifié, je pense, les remarques préliminaires de son directeur. Deux questions. La bataille, tu as objectivé, et merci pour ce décryptage, c'est salutaire parce que la couverture médiatique n'est pas du tout de la même veine, mais elle joue parce qu'elle joue sur l'émotion. Mais dans l'émotion, c'est aussi la bataille des perceptions qui est un facteur de cette guerre, très difficile sans doute à décrypter. Donc c'est ma question, qui va gagner la bataille des perceptions? Et ma deuxième question, c'est les massacres, on peut dire. Il y en a eu récemment, plus proche de chez nous, Srebrenica, il y a eu beaucoup plus de morts. Il y a eu des tribunaux, donc est-ce qu'on peut envisager des suites judiciaires pour juger les auteurs des massacres au pluriel? Voilà les questions. Okay. Je réponds très vite à ta question, le temps que le micro arrive au suivant. Alors, la question que tu poses, c'est la CPI, et donc la Cour pénale internationale. Le problème, c'est que ni Israël ni les pays voisins n'ont reconnu la compétence de la CPI, de la Cour pénale internationale. Donc c'est limité. Et deuxièmement, il y a un principe de droit international coutumier qui fait que les dirigeants en exercice disposent d'une immunité tant qu'ils sont à la tête et en tout cas aux affaires de leur État. Ce qui veut dire que paradoxalement, des sécuritaires ou des généraux, soit israéliens, soit des sécuritaires palestiniens, pourraient être impliqués par la CPI, à condition de l'être lors d'un déplacement dans des pays qui ont reconnu la compétence de la Cour et qui, politiquement, sont prêts à prendre le risque d'arrêter ces autorités-là. Donc, voilà. Et la première question sur la bataille des représentations et des images. Mon expérience d'historien, c'est que c'est très fluctuant. Et ce qu'on voit là sur le terrain, c'est qu'en fait, des deux côtés, le Hamas et les Israéliens quand même verrouillent, l'accès à l'information. Donc il y a beaucoup de propagande de part et d'autre, il y a beaucoup de manipulation de l'image ou quoi, potentiel de part et d'autre. Chacun n'a pas les mêmes outils. Clairement, le Hamas instrumentalise Al Jazeera et un certain nombre d'autres grands médias. Et Israël filtre soigneusement toutes les infos qu'il donne aux grands canaux internationaux, aux grands médias internationaux qui sont actuellement présents en Israël, en leur disant, on vous donne quelques images, quelques données, d'ailleurs beaucoup de données, et comme ça, vous pouvez alimenter votre opinion publique avec des données factuelles, que bien sûr, nous, on a filtré et géré, et à vous de faire ça. Donc la réponse, c'est que c'est difficile de dire qui va gagner la bataille médiatique. Ça dépendra évidemment de ce qui se passe ensuite. Si c'est un champ de ruines à Gaza, c'est clair que c'est clairement probablement pas les Israéliens qui vont gagner la bataille médiatique, c'est sûr. Si ça aboutit à une nouvelle trêve, des échanges, l'arrivée d'une force internationale, ce qui est toujours possible, même si c'est pas le scénario le plus probable, mais c'est possible. Là, ça peut sensiblement équilibrer la vision.
Bonsoir Stéphanie, 34e session de SMEH. Merci Monsieur Razou. J'avais deux questions du coup. Quelle est votre vision de l'Union européenne dans le conflit? Et la deuxième, c'est l'ONU. Peut-elle disparaître? Ok, on prend une autre question, je réponds, hein, bien sûr. Oui, il y a une question devant. Bonjour, simplement dans votre exposé qui est très brillant, vous n'avez pas fait mention du tout des problèmes religieux et notamment du djihad. Et est-ce que c'est pas de nature à compliquer le débat? Ok, on prend ces deux-là et puis après on fait un nouveau tour. Oui, bien sûr que c'est de nature à complexifier le débat, c'est évident. Après, Pascal Hausser vous en parlera sûrement parce que c'est un de ses grands thèmes favoris et il vous dira ce qu'il en pense. Mais bien sûr que ça joue. C'est-à-dire qu'on est passé, pour faire simple, on est passé d'un conflit qui était finalement nationaliste, postcolonial, ce que vous voulez, c'est-à-dire une terre pour un peuple, quoi qu'on puisse penser des uns ou des autres, etc., à un conflit qui s'est fortement idéologisé pour des tas de raisons. Depuis 79, après, parce que ça a été une cause qui a été totalement instrumentalisée, au départ par l'Iran, puis par tous ceux qui voulaient promouvoir les républiques islamiques face aux autocraties, et notamment aux monarchies du Golfe, essentiellement. Donc ça a été, la cause, entre guillemets, a été dévoyée, et puis ensuite parce que nos sociétés... Le Moyen-Orient se cristallise autour de passions, de frustrations, et que bien sûr la religion est l'une de ces frustrations. Sur la question sur l'Union européenne et l'ONU, que peut faire l'Union européenne? Déjà, tant qu'elle parle, elle ne parle pas d'une seule voix, pas grand-chose. Donc ensuite, des États européens peuvent faire des choses parce qu'ils sont impliqués dans la région, ils connaissent bien la région, etc. Donc la réponse, c'est plutôt des pays européens qui connaissent bien la région, qui sont impliqués, ont une marge de manœuvre, ou en tout cas peuvent éventuellement faire des choses. Mais l'Union européenne en tant que telle, pas vraiment, puisque finalement, ce qu'on voit, c'est que l'Union européenne... a passé les 30 dernières années à payer un puissant fonds dans les territoires palestiniens, qui a en partie, mais qu'en partie bien sûr, contribué à renforcer soit le Hamas, soit les fonds secrets, disons des cadres de l'OLP à Ramallah. Donc évidemment, on peut se poser des questions. L'ONU, alors là c'est peut-être paradoxalement un élément plus optimiste, c'est que s'il y a une force d'interposition dans la bande de Gaza, un peu sur le modèle de la FINUL, mais entre guillemets avec un mandat très différent pour essayer de faire en sorte que ça marche, le Conseil de sécurité aura un rôle crucial à jouer. Et paradoxalement, au sein de ce Conseil de sécurité, il y a une relative unanimité sur consensus sur le dossier palestinien. C'est-à-dire que aussi bien les États-Unis, les Britanniques, les Français, les Russes et les Chinois reconnaissent, entre guillemets, la cause palestinienne comme devant être réglée d'une manière ou d'une autre. Et que si ça peut, la mise en place d'une force d'interposition peut aider à ça, pourquoi pas? Donc, on voit bien que aux États-Unis, la classe politique évolue sur le soutien à Israël. C'est-à-dire qu'autoriser la présence d'une force internationale dans la bande de Gaza, c'est pas à critiquer ou c'est pas à condamner Israël, c'est essayer de donner des moyens pour stabiliser la situation. Au passage, à chaque fois qu'il y a des votes aux Nations Unies sur le renouvellement du mandat de la FINUL, les Russes et les Chinois votent toujours d'un seul homme pour la prolongation, etc., en disant « mais oui, bien sûr, c'est une bonne chose ». Donc ça, c'est un élément plutôt positif, me semble-t-il. —
Je suis désolé, mais 8 heures, il faut libérer l'amphithéâtre de l'université. Ce sujet, bah écoutez, moi je suis ravi parce qu'on a pu parler du fond de ce sujet compliqué. Il a, comme ça a été dit, trois niveaux de lecture, tous les trois pertinents, mais très différents. Un niveau idéologique, religieux, émotionnel, très lourd, c'est celui dont on parle le plus facilement. Et un niveau géopolitique, les intérêts des États, et un niveau politique, comment on gère des communautés humaines et comment faire des choix politiques pour essayer de régler les problèmes entre des communautés humaines. C'est ces deux derniers volets qui sont les moins bien traités normalement que Pierre a, à mon avis, remarquablement traités, et il nous a effectivement donné les clés de compréhension qu'on n'entend pas toujours. Je vous remercie, je le remercie bien sûr, et je vous remercie d'avoir joué le jeu, de parler de choses qui fâchent sans se fâcher. Je vous remercie beaucoup.